Bonjour. Bonjour. Veuillez décliner votre identité. Charles Dawson. Merci, monsieur Dawson. Le but de cette audience est de déterminer si vous avez eu, ou non, recours à la fraude dans le cadre des concours écrits d'admission. Qu'avez-vous à déclarer à ce sujet? Ma culpabilité n'est pas prouvée. Cette accusation ne fait que remettre en cause mon intégrité. Monsieur Dawson, nous aimerions comprendre une chose. Comment se fait-il que vous ayez eu des notes aussi brillantes lors de vos concours, alors que vos résultats lors de vos années antérieures, était largement suffisant. Simple question de méthodologie. Monsieur Dawson, comment avez-vous préparé ces concours? On va commencer par un Texas Hold'em. Tout le monde se souvient de ce que c'est? Ouais. Ok. Qui veut s'occuper de la donne? Jérémy? Ouais, d'accord. Jérémy, sur ta gauche. Tu commences sur ta gauche. Carl? Carte? C'est pas du blackjack. Le con! Pose tes cartes. Je les échangerai pas en les regardant. Tu sais ce que t'as en main. Allons-y. Jérémy, gauche. Gauche. Gauche, oui, je sais. Bon, la dame va miser. Allez, plus vite que ça, vite. Bleu? Bleu, c'est-à-dire 50. Je vois. On s'en tape, c'est que de l'argent de poche. Bon, t'en veux combien? 200. Non, c'est pas bon, faut que tu te couches. Que je me couche? Tu te couches. Et c'est bon. Regarde, tu poses tes cartes. Et c'est réglé. Brelan. Carl, tu peux pas avoir un brelan, on a que deux cartes en main. Eh, hey, t'en as piqué une des miennes. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, jamais. Tu m'as pas vu. Les mecs. Rouge. Bien joué, gros. Voilà, c'est ça. C'est bon. Génial. Les gars, ça va être le pied de dépenser votre fric. Bonsoir, messieurs, madame. Je me suis laissé dire qu'il resterait une place à votre table. On ne refuse jamais de nouveaux joueurs. Prenez une chaise. Monsieur Dawson. Charles Dawson. Eh bien, monsieur Dawson, bienvenue. La mise d'entrée est à 100 euros. Monsieur Dawson, vous faites quoi dans la vie? Enfin, si ça ne vous dérange pas. Mais ça ne me dérange pas. Je viens de valider mon bac plus 2. Pourquoi vous faites des études? J'ai l'ambition d'intégrer une école de commerce. Et quelle école de commerce? Le SCRN School of Business. C'est une bonne école ça, le SCRN? School of Business? Une excellente école. Peut-être même la meilleure. J'annonce 500. Quelle est la première leçon au poker? Laisser ses émotions à la porte? Exact, Vince. Une mise pareille au tout début du jeu, moi je dis qu'il n'a rien de plus qu'une paire de figures. Joe? On le couche. Jérémy? Ok, ça marche. Je suis aux 500 euros et je remets 500 euros de ma poche. Ah, c'est une très jolie mise, Jérémy. Mais méfie-toi. Ne le pousse pas trop loin ou trop vite. Lui enlève pas sa laisse. Sarah? Je vois. Moi aussi. Je suis aux 500. Et je relance de 2000. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est votre argent. Moi, je vais continuer. Il met le paquet pour appuyer le bluff. Carl? 2000. Oh merde. Je vois. Pareil. Allez, vas-y, montre-les. Eh bien, je ne sais pas ce que vaut un carré de neuf. Mais avec l'as, je trouve ça plutôt pas mal. Fais chier.
Oh, je m'emmerde. Ah, je vois ça. Ouais, je m'emmerde. Alors, tu vas m'expliquer ce que vaut cette petite visite surprise. Bah, tu te rappelles que le mois prochain commence les écrits pour entrer dans les écoles de commerce. Et alors? J'ai ma petite idée. Tu penses que t'as le niveau? Non, j'ai mieux. Bon alors, c'est quoi cette idée de génie? Ce sera une première. On sera préparé et on sera nombreux. Des flingues? Pas vraiment. C'est sous haute sécurité. Mais le butin... La cible, c'est quoi? La réussite totale. Non, la cible, c'est quoi? Depuis quand t'es pas allé à Rennes? Pourquoi? Un contact m'a informé que par manque de place au rectorat, l'ensemble des sujets d'examen allait être entreposé à l'ESRN. Et qu'est-ce que t'as prévu de faire? Te pointer avec un bouquet de fleurs à la main et demander gentiment l'accès à la salle de stockage? Non. On va la braquer. La braquer, carrément. Ok. La chambre forte de l'ESRN. Bon. Si je dis ça correctement, et j'aime à croire que c'est le cas, c'est certainement la chambre forte la moins accessible du pays. Oui, c'est ça. L'ESRN. C'est pas l'école dont Franck Lehmann est le directeur de la sécurité? Si. Il va nous en vouloir, tu penses? C'est possible. Il te faudra au moins 6 personnes. À divers postes de confiance. Comment t'espères financer ça? Lehmann a une longue liste d'ennemis. Pablo? Pablo. Quoi? Il me faut une raison. Autre qu'à d'avoir les sujets à l'avance. Pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas le faire? Non, mais j'en ai marre de passer à côté de ma vie étudiante en m'orientant vers des formations, excuse-moi de te le dire, un peu douteuses. Là, je te parle de l'ESRN School of Business, une formation internationale qui te permettra de devenir enfin un vrai Global Responsible Pioneer. T'as répété ce speech? Ouais, je me suis peut-être un peu passé. Non, non, t'as été génial. L'international, ça m'a convaincu. Je me demande ce que Pablo va dire. Mais vous êtes complètement malade, est-ce que vous m'écoutez? Vous êtes en plein délire. J'en sais plus que n'importe quel autre homme sur la sécurité des chambres fortes. Je l'ai inventé. Et concernant celle des écoles de commerce, elle est totalement imbattable. Ils ont des alarmes, des surveillants, des caméras. Ils ont des serrures et des coffres forts. C'est vrai, il y a du vrai. Ouais, non, c'est tout à fait vrai. On a eu les yeux plus gros que le ventre. Oui, voilà, c'est une pure affaire d'ego. Oui, bla bla bla. Merci bien. Pour le verre, hein. Vous savez, j'aimerais enfin avoir une épinard. Arriver à la trentaine, être marié, avoir des enfants, enfin comprendre la différence entre un député et un sénateur, ce genre de truc quoi. Merci pour le verre. Au plaisir, Pablo. Dernière question, simple curiosité. Quelle école avez-vous choisi de braquer, tes deux petits génies? L'ESRN. L'ESRN. C'est pas l'école dont Franck Lehmann est le directeur de la sécurité. Ah ouais? Hé les mecs! Qu'est-ce que vous avez contre Franck Lehmann? Qu'est-ce que toi tu as contre lui? Voilà la question. Qu'est-ce que j'ai contre lui? Il a torpillé ma carrière. Et m'a éjecté en se basant sur des histoires de fond un peu douteuses. Et toi, bien évidemment, tu n'avais rien à voir avec ça. Évidemment! Je suis en règle et parfaitement intègre. Écoutez les gars, vous êtes de vieux potes. Vous devez savoir qu'avec Lehmann, quand ce sera réglé, l'important, c'est qu'il ignore votre nom et votre implication. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on soit très prudent et très précis. Et très sponsorisé. L'argent n'est pas un problème. Mais il faut que vous soyez complètement barjot. Et il vous faudra toute une équipe aussi dingue que vous l'êtes. Qui comptez-vous prendre? Alors, qui est avec nous? Manuel Isidio. Il revient de son Erasmus à Rio et a trouvé un stage dans une boîte de sécurité. Il pourra travailler avec nous à l'école de Rennes. On a des chauffeurs? Je suis allé parler au Seren Rixen. Elle est sudoise? Ouais, mais elles sont en prépa ECS à Lyon, 6 mois sans histoire. Vas-y, roule! À toi l'honneur, chérie. Non mais bouge ton gros tas de ferraille. Tu promets de pas être triste si tu perds. Tu rigoles, j'aurais déjà franchi la ligne d'arrivée que t'auras même pas mis la seconde. Comme dirait maman, y a pas de regret, que des remords. Puis t'auras même le temps d'apprendre ma plaque d'immatriculation. Relax. Puis arrête un peu de parler de maman, ça devient lourd. Électronique. Wendy, elle vient de terminer son BTS en informatique. Ah, et elle est solide? Ouais, ça va. Elle vient d'être relaxée, on l'a inculpée pour tentative de piratage du site du gouvernement.
Des munitions. Philippe Nuggets. Mort. Son deck. Cours d'un job. Crise cardiaque. T'as envoyé des fleurs. Je suis sorti avec sa femme. Un expert en explosifs. On en aura pas besoin. Je peux le faire sauter. Tu rajoutes une feuille de romarin. On y est. On est où? Attends. C'est lui, Dimitri le Magnifique. Ouais, il est petit chinois. Ok, il y a qui d'autre? Il y a personne d'autre sur la liste. Il vient de finir son DUT à Paris. Enfin, là, il a pas l'air si... On a notre homme serpent. On a notre homme serpent. Avec Dimitri, ça fait 6. Ça devrait être assez, t'es d'accord? Tu crois qu'il en faudra un de plus? Tu crois qu'il en faudra un de plus? On en trouvera un de plus. J'espère qu'on vous a fait un tarif de groupe. Tu veux par rapport à braquage en fait? Mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à Rennes. Tout le monde a eu sa galette saucisse? Bien. Tout le monde est sobre? Pratiquement. Avant toute chose, j'aimerais que vous sachiez que ce que je vais vous proposer est à la fois extrêmement intéressant et extrêmement risqué. Si ce n'est pas de votre goût, profitez du buffet à volonté et reprenez le premier train sans rancune. L'école supérieure de commerce de Rennes, située au nord de la ville, plus connue sous le nom de SRN School of Business. Alors, voyons voir. La chambre forte de l'AC, qui seront entreposés les sujets pendant 4 jours. Et on va la braquer. On nettoie et on se fait la malle. C'est un peu plus compliqué que ça. Ça va, merci. Je remercie pour ses plans le nouveau gardien de la SRN. J'ai nommé Emmanuel Isilio. Bon, d'abord les mauvaises nouvelles. Leur système de sécurité est exactement le même que celui des sociétés bancaires. Il nous faudra pirater leur système de surveillance vidéo, passer le checkpoint à l'entrée, et vous savez qu'un sourire ne suffit pas, et récupérer les cartes d'accès. Mais une fois dans le couloir final, une véritable partie de plaisir. Plus que deux gardiens devant la porte du coffre-fort. Des questions ? D'autres questions? J'ai une question. Disons qu'on franchisse les checkpoints, qu'on pénètre dans l'école, qu'on passe les gardes. Sans être repéré par les caméras. Disons qu'on fasse tout ça. Tu penses vraiment qu'on va nous laisser sortir avec les sujets sur nous sans que personne ne nous dégomme? Oui. Bon, dis-moi, comment on accède au département informatique? Il y a deux gardes, et l'un d'eux s'entraîne seul. Bonjour, vous auriez une cigarette? Bien sûr. Merci beaucoup. Merci Rose, je te ramène ça dès que possible. Tu passeras le bonjour à ta mère pour moi. Tu pourras lui dire, c'est elle qui me remplace ce soir. Une fois le badge récupéré, Wendy accédera à la salle de surveillance de l'école afin de recevoir les enregistrements des caméras directement au QG.
À partir de là, c'est à nous jouer. Pablo, déguisé en livreur, dépose un carton dans lequel Dimitri se trouve. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur. Je vous remercie, bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Pendant ce temps-là, les sœurs Henriksen seront à proximité et prêtes à rentrer. Ah, je t'ai pas dit, je me suis acheté les Air Force. Non, l'édition limitée ? Tu sais, les blanches pailletées, là. Tu les as eues où ? Je les ai eues sur internet, du coup, je suis d'abord allée dans un magasin, elle voulait me les vendre, ma meuf, une paire en 40 et l'autre en 40. C'est pas vrai. Je te jure. Allô ? Oui, Anna ? Le collier a été récupéré. Ok, c'est bon, tu peux y aller. L'accès au sous-sol se fait par un checkpoint. Bonjour madame. Bonjour. Motif de votre visite ? Livraison de fourniture. Vous avez le bon de commande ? Bien sûr. Et il est pas là Thierry ? Non, il est en congé paternité. Il va être papa ? Non, tonton. C'est bon, vous pouvez y aller. Une fois entrés dans l'école, Angèle et moi-même sortirons du coffre afin d'accéder à la salle où sont entreposés les sujets. J'attends mon signal. Attention! Oh merde! Allô Angèle? Angèle? Allô? Tu dis quoi Wendy? Répète! Je crois que tu te fais repérer. Angèle! Répète! Mademoiselle, veuillez me suivre s'il vous plaît, le directeur de la sécurité aimerait vous parler. Mais certainement. Allez-y, s'il vous plaît. Dans combien de temps pensez-vous que monsieur le directeur va arriver ? Pas de caméra de contrôle dans cette pièce. Faut que personne ne voit ce qui se passe ici en même temps. Il viendra pas, c'est ça ? Je vais vous laisser discuter tous les deux. Allez, on y va. Oh, t'étais censé attendre, Manuel. Désolé, hein, j'ai pas touché. Hein. Bon, aide-moi plutôt à sortir de là. Tiens, prends ça. Tiens. Charles, badge récupéré. Rejoins-moi devant la porte au département sécurisé. J'arrive. Bah, qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'est rien. Erreur de communication franco-brésilienne. On y va. Thank you.
2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028. Putain les gars, vous étiez où? Désolé, on a eu un léger contretemps. Tiens, voilà les tutelles. Retourne à la salle, on t'attend dehors. Ok. Eh non, on en est, moi. Non, tu rajoutes une feuille de romarin. Eh non. Ça a été les gars? C'est passé crème. Qu'est-ce que c'est? Et on peut savoir où est passé Angel? Il faut l'attendre à l'extérieur, elle a encore 2-3 trucs à régler. Monsieur Lehmann, code 402, deux hommes à terre. Il semble que la porte des coffres ait été forcée. Ouvrez la porte. Mettez-la debout. Vous avez trempé là-dedans? Trempé dans quoi? Je renouvelle ma question. Vous avez trempé là-dedans? Mais je sais même pas de quoi on parle, monsieur Lehmann, là. Très bien. Vous pouvez disposer. Ce fut court mais intense. Monsieur Dawson, comment avez-vous préparé ces concours? Le travail. Fin de l'aventure? Elle ne fait que commencer. A little less conversation, a little more action, please. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dig to the summer breeze. It's a groovy night and I can show you how to use it. Then come along with me and put your mind at ease. Hey! Less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on.